Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans ce 12e épisode de Au coin du DVD. Dans ce 12e épisode, on reste donc sur la lettre E. Une lettre dans laquelle, je l'ai dit, il y a beaucoup de films qui m'ont marqué, qui m'ont touché et qui m'ont transporté. Dernièrement, par exemple, il y a eu Edge of Tomorrow, que je trouvais être une des petites perles de SF, sortie un petit peu de nulle part, mais vraiment extraordinaire, mise en scène par Doug Liman de la mère la plus intelligente possible. Il y a également Eden Lake, que je trouve vraiment être l'un des films d'horreur les plus intelligents que le cinéma anglais nous ait proposé depuis quasiment 20 ans. Et franchement, à chaque fois que je le revois, j'en ai encore des frissons. Mais il y a un film que j'ai envie de faire ressortir, parce que son grand frère était dans les lettres précédentes. Son grand frère est le deuxième long métrage d'un réalisateur le plus mexicain des Texans. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi on a considéré que c'était un réalisateur mexicain, mais bon. Et il s'agissait de Desperado. Vous connaissez, je pense, pour la plupart, Desperado. Avec Antonio Banderas, film de mariachi et en même temps pas tant que ça, plus un film de baston, etc. Et en fait, il faut savoir que le premier film de Robert Rodriguez a été tourné pour, je crois, la modique somme de 20 000 $, dure 1h15, raconte exactement la même histoire que Desperado, et se nomme très subtilement El Mariachi, donc de Robert Rodriguez. El Mariachi, donc, raconte exactement la même histoire que Desperado, sauf que c'est à la fois un préquel, avant d'être un origin story. Enfin, c'est très particulier. En gros, il faut vous dire que ce qui se passe dans El Mariachi, c'est tout ce qui fait le background de Desperado. Mais en même temps, Desperado réinterprète un petit peu à sa sauce tout ça. Donc El Mariachi est un petit peu juste ce qui a permis à Robert Rodriguez de vendre le projet Desperado en un sens. Et j'aime beaucoup El Mariachi. C'est un film fauché. Et quand je vous dis fauché, c'est-à-dire que ça va vous donner envie de prendre une caméra, d'aller avec des potes tourner un pitch complètement fumé et d'en faire un long métrage. Et honnêtement, je ne pourrais que vous comprendre. Parce que c'est exactement ce que ça m'a donné envie lorsque j'ai vu El Mariachi. Je trouve pas qu'El Mariachi soit un grand film. Je trouve que El Mariachi a ce pouvoir, je dirais presque galvanisant, d'inciter les gens qui le regardent à devenir cinéastes. Franchement, si vous voulez un jour devenir réalisateur, ou que vous avez envie de vous mettre à réaliser des petits films avec vos potes, ou avec des gens que vous savez plus compétents, ou j'en sais rien, parce que vous vous êtes dit « Eh, vas-y, j'ai envie de prendre une caméra et de réaliser un film », matez El Mariachi. Franchement, pour le coup, c'est jubilatoire, parce que vraiment, on a envie de se dire qu'on peut faire du cinéma avec 3 francs 6 sous. Et que ça va être classe, et que ça va être cool. Et que si tu veux tourner ça en mexicain, et que en fait, t'es pas du tout mexicain, mais tant pis, tu vas tourner ça avec des mexicains, bah fais-le. C'est tout ce que ça a envie de te dire. Si demain, t'as envie d'aller tourner, j'en sais rien, un film qui se passe en Belgique, avec des acteurs belges, mais alors tu sais très bien que toi, tu vas rien comprendre parce que tu parles pas une goutte de flamand, tant pis. C'est limite ce que ça a envie de dire, ce film. Et moi, je trouve ça génial de se dire qu'il y a un mec... Il s'est dit, vas-y, je vais aller tourner un tout petit film hyper low cost, avec quasiment que dalle niveau budget. Derrière, il y a Quentin Tarantino qui va me soutenir et qui va me dire, vas-y, fais-le. Ensuite, je vendrai ton projet à des grosses boîtes et tu pourras faire la même chose, mais avec plus de thunes. Voilà. Moi, pour moi, El Mariachi, c'est ça. El Mariachi a aussi l'avantage d'avoir un très bon acteur principal qui est également le compositeur de la musique et un très bon ami de Robert Rodriguez qui lui a en partie composé la bande originale. C'est un film drôle. C'est un film complètement pété, c'est un film qui est gore à souhait, comme le sera la filmographie de Robert Rodriguez par la suite. C'est un film qui place pas mal de ses thématiques, et quand je dis thématique, je devrais plus dire gimmick, ou trip de mise en scène, ou juste gros délire explosif. D'ailleurs, c'est pas étonnant de voir cette magnifique jaquette de DVD nous dire les débuts explosifs du réalisateur Robert Rodriguez, même si étonnamment, El Mariachi est plus un film de dialogue que vraiment un film d'explosion ou de coup de feu. Il faut le reconnaître que par rapport à Desperado qui, lui, en une scène avec Steve Buscemi qui te lanarre, arrive à faire tout péter et à mettre en scène une baston de bar complètement démentielle, là, El Mariachi, la même baston, ça va être mis en scène de manière beaucoup plus light. C'est-à-dire qu'on est plus sur un mec qui débarque dans un bar et qui dit « Bonjour, je suis Mariachi et je suis pas cher, tu veux m'embaucher ?» Et le mec fait « Pourquoi j'aurais besoin juste d'un Mariachi quand je peux avoir tout un groupe ?» Et je ne dirai pas ce qui se passe ensuite parce que ça va vous faire mourir de rire, je pense. Mon frère et moi, on s'est tapé des barres devant cette séquence. On se l'est repassé en boucle et en boucle et en boucle quasiment 15 fois. Cette séquence-là est à mourir de rire. Un peu à l'image de beaucoup de choses dans le film.
Mais pour le coup, si jamais vous avez du coup envie de vous taper une bonne barre, de découvrir comment un réalisateur complètement fumé qui s'est retrouvé aujourd'hui à réaliser Alita Battle Angel a commencé dans le monde du cinéma, regardez le Mariachi. Et je le redis, si vous voulez devenir réalisateur et que vous avez envie d'avoir un espèce de coup de boost pour vous passer à la réalisation, regardez le Mariachi parce que pour le coup, ça va vous prouver qu'avec rien, on peut tout faire. Ainsi se termine donc ce 12e épisode de Au coin du DVD. J'espère encore une fois qu'il vous aura appris quelque chose ou qu'il vous aura fait découvrir un film ou qu'il vous aura donné envie de peut-être regarder la filmographie de Robert Rodriguez. Pas toute sa filmographie tout de même, il y a quand même de sacrés, sacrés daubes dedans. Et surtout, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.